Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Ours. Pardon, j'ai bugué avec Mrs. Kale qui terminait son truc. Mrs. Kale, il fallait qu'on la monte au niveau 8, donc on peut lui filer direct une tasse de thé là. Hop, voilà, elle sera au niveau 10 comme ça. Pas la peine de s'embêter à reperdre du temps avec les outils. Et du coup, on va pouvoir lui faire ouvrir le Black Ned Yard. Ah, là, il y a eu l'incendie, visiblement. Il y a une température extrême qui a fait carrément fondre les pierres, mais comme sur le pont, c'est seulement à quelques endroits. C'est seulement Irenzir. De manière horrible, Irenzir, ça a l'air d'être particulièrement là où il y avait des gens. Il y a des os et des ossements et des cendres partout sur le sol. Très bien. Donc en gros, il y a quelqu'un qui s'est enfui de la prison au lance-flammes, quoi. C'est ça que vous nous dites. Alors, on va récupérer nos souvenirs pour notre leçon. Hop, voilà. Et lancer la leçon. Tac, 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 tac. Et le dernier fort qu'on a qui est là. Et on va pouvoir passer level 5 et du coup on pourra passer même level 6 avec cette compétence. Oh là là. Allez Mrs. Kale, on a besoin de tes talents de femme de ménage pour nettoyer les murs recouverts de graisse humaine. Ça fait rêver. Jusqu'ici, on n'avait vu aucune trace d'incendie, de l'incendie qui est censé avoir mené à l'abandon de la maison il y a 7 ans. Donc peut-être qu'en fait, il y a eu une émeute dans la prison et qu'ils se sont enfuis à coups de lance-flammes et du coup, bah... Ça expliquerait l'abandon. Alors c'est vrai que ça fait un sacré bâtiment abandonné pour juste ce bout-là, mais... C'est comme ça. Oui, enfin, t'imagines si ça puait... Les restes humains cramés, c'était peut-être pas non plus très ragoûtant à rester. Bah, au-delà de ça, s'ils ont buté tous les gardiens à coup de lance-flammes et qu'ils se sont barrés, les prisonniers devaient plus rester grand monde dans la maison, quoi. Oui. Accessoirement. tac tac. Ici, on va pouvoir le faire demain. Peut-être le niveau suivant de Sacra Limae, on pourra le faire demain. On l'a attuned quelque part, lui. Ouais, on l'a même déjà consommé. Et on commence à avoir des trucs un peu élevés. Il faut qu'on regarde les livres maudits de nouveau un coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, c'est ouvert. Ah oui, c'était carrément... non, ah, je croyais que c'est... Si, c'est ça. C'est un truc pour prendre les gens. Une potence. Une potence, voilà. Je trouvais plus le mot. C'est une salle de sport. Ou une salle de sport. Ouais, il y a un ballon. Alors, ça nous dit quoi? Exercice yard. Hein. Oui. Oh là là, la mauvaise langue, quoi. La mauvaise langue. Du coup, les prisonniers étaient... on leur permettait de travailler ici pour qu'ils ne soient pas trop forts, mais pas trop faibles non plus. Et du coup, Gaol Yard. The Gaol a été surnommé le Cucurbit. Alors c'est Gaol et pas Goal. Donc autant Gaul c'est l'objectif, autant Gaol je ne sais pas ce que c'est. Enfin c'est peut-être encore un mot inventé. Hein. Les prisonniers devaient accueillir une meilleure version d'elles-mêmes, réalignée avec les responsabilités. Mmh. Tout à fait. On trouve pas beaucoup de nouveaux livres, non. Là je pense qu'on est dans la zone où on va pas trouver à mon avis masse de bouquins. Dans la prison, peut-être un peu, mais ça va être à la marge, je pense. Là, un 11 de grail, on pourrait l'avoir facilement. Un 11 de forge aussi. Peut-être même un 11 de winter. Je pense que là, il y a peut-être moyen qu'on trouve encore quelques livres en continuant de monter par là. Et dans les sous-sols, on va peut-être trouver des livres un peu plus rares, parce que là, on voit que c'est Dawn période ici, et là, Dawn période, donc on trouvera peut-être des livres un peu plus anciens, des parchemins. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a trouvé une grosse majorité des bouquins les plus communs. Après, on va tomber sur des trucs un peu vénères, genre level 16 ou des trucs du style. Après, ça va être le manuel de torture
À côté de la salle de torture. C'est ça, ouais. Après, le bouquin des recettes de poison va tomber sur le bouquin comment torturer un prisonnier sans laisser de traces. Ça va être bien sympathique. Ok, bah on peut laisser passer la journée. On va passer à la nuit déjà. Et la question qui se pose, c'est est-ce que demain on rouvre des pièces ? Grail level 11, ça se fait franchement bien. Déjà, j'aurais bien envie de régénérer un souvenir health pour pouvoir faire un health++. Par contre, ça va nous consommer notre shore. Hein. Ce qui est pas forcément déconnant. Alors, je vais regarder vite fait, parce que le nouveau truc qu'on a débloqué, il permet de monter Itastri, mais Itastri, normalement, c'est assez facile, on les a tous utilisés. Le Ink of Revelation, on l'a pas utilisé parce qu'il est attuned to Faust et qu'on n'a pas de Faust, donc ça règle le problème. Et du coup... Tac, 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 c'était la préservation qu'on avait, c'est ça, donc lui on l'a utilisé. Il nous reste celui-là, on pourrait du coup monter le Chore aussi, parce qu'on a un Edge ici. D'ailleurs on peut peut-être déjà le faire, ah non parce qu'il doit pas être de type préservation, non, et oui c'est pas de type préservation le buste de combat où on a fait, donc il nous faut le souvenir, mais on pourrait améliorer notre Chore. Ouais, on n'a pas d'autre attune to health du coup. Vérifie vite fait, si. Là on a un attune to health mais de type bosque. Ouais, bosque. Donc on pourrait faire le souvenir, améliorer notre chore éventuellement. Ce serait pas déconnant. C'est moins une priorité, du coup on peut pas faire de health++ par contre. Donc on pourrait se concentrer sur une salle là. Ici 11 de Winter. Alors, je vais juste compter. Le mec, il a 11 de Winter. Il a 2 de Winter, je crois. Mr. Kyle, là. Mr. Kyle, il commence avec 2 de Winter. Et nous, notre Whist amélioré, il donne 3. Donc, on est à 5. 7 avec un souvenir. Ça me paraît compliqué. Je suis même pas sûr qu'on ait d'outils de type Winter. Ouais, non, t'es de type Moss. Tout ça, c'est non. Hein. Ah si, on a un en Winter. On a un outil qui donne un en Winter. Attends, le Bronze Knife, il est vraiment fort. Hein. On va vérifier. Là, il y a un petit machin, là. C'est quoi, ça? C'est du Edge aussi. Là, si, on l'a vu. L'arrosoir, c'est du Nectar, mais du coup, on a même mieux maintenant avec le couteau. Il n'y a rien de nouveau dans les pièces qu'on a débloquées. Je vois rien qui clignote. Ce qui veut dire que c'est dans notre chambre le reste. Ah non, il y a pas mal de choses qui clignotent ici. Il y a ça, c'est du forge. Il y a ça, non. Ah, il y a le sablier là, ouais, ok. La balance, pas très intéressant. Et ici, on a de la lanterne, on a ce truc-là, on a le sablier. Ouais, en gros, on a un Winter en outil. Ok. Ce qui nous fait passer à 8. Ce qui n'est pas énorme maintenant en termes de boisson. L'horloge, là, c'est pas un outil, non. On a le verre d'eau qui est à 1. On a les potatoes qui sont à 1, donc on arrive à 10. Ah, mais on peut lui donner la préparation de Solomon, là. Le truc de Solomon, là. C'était brewable, ça. Oui, on passe à 4. Oui, donc on peut avoir 12 en Winter. Donc on pourrait recruter Mr. Kyle pour là. Et du coup, sa femme pour ici. Eh ben, écoutez, voilà ce qu'on va faire demain. Parfait. Parfait, parfait. On va essayer de voir si on trouve de nouveaux livres, Lundmar, comme ça. Et de terminer cette petite tour là, qui doit certainement avoir un nom.
Et en attendant, on avancera sur les leçons aussi. C'est la tour des courgettes géantes. La tour des courgettes géantes, et qu'est-ce qui te fait penser à ce nom, somme toute, atypique? Pas non, mais c'est cucurbitacé, je sais que c'est des courges, mais je sais pas, ça me fait penser à courgettes. Ouais, mais c'est ici, la prison cucurbit. Bah oui, justement, du coup, enfin, après, il y a le cucurbit bridge, hein. Fameux cucurbit bridge. Ok, c'est parti. On fait venir madame. Et après, on fera venir monsieur. Et au niveau des souvenirs. Donc, si on voulait faire... Donc, déjà, il va nous falloir un souvenir de type Grail et un souvenir de type Winter. On va commencer par ça. En Winter, on a... ce truc-là. Rigwet. C'est parti. Si on veut monter ça, il nous faut Fostemos. Ok. Du coup... Il nous manque un Tchor. Non, le Tchor est là. On va lire ça avec un Tchor. Il n'est pas très utile pour le moment. Et un Beginning Melody. C'est parti. On va le lire avec notre Metal++. Comment ce qu'il y a de forge, hein. Ça commence quand même à être fort aussi. Donc là, on a nos deux souvenirs pour les pièces. Maintenant, pour la leçon, il va nous falloir un Impulse. Déjà, on va commencer par ça. Alors on va compter, parce que faut qu'on voit si on a suffisamment. Il nous faut 5 souvenirs. Donc on a un Moss. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 et 5. Ok, on a ce qu'il faut, c'est parti. Faut juste pas qu'on se plante. On va lire avec Shapt. Shapt ne va nous servir à rien aujourd'hui. Une Storm. On va aller lire là-haut. Et quoi on peut lire ici? Un Whist, mais on en a besoin. Else. Très bien. Là, on a deux souvenirs, il nous en faut plus. On peut lire ici. Et quoi on peut lire ici? Un chap, parfait. En avant. Encore un sky. Là on a un solace. Tac. On peut lire avec un else, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, il nous en manque un. Un Savage Hymne. Allez, vendu pour un Savage Hymne. Du coup, le Savage Hymne, on veut le lire ici, raté. Hop. Et avec quoi on va le lire? Un Tchor. C'est parti. Ok, donc là on va pouvoir faire une leçon. Ensuite il faudra ça, c'est du Moss et du Lanterne. Mais on verra un peu où on en est. Et notre yeuf, bah il travaille. C'est une journée entière le yeuf normalement. Donc, Ah, on a un beau fog là, mais bon. Il va pas être très utile. Alors... Mrs. Kyle, c'est parti Mrs. Kyle, on va tout de suite discuter avec toi pour pas foirer. Là on met un whist pour faire venir Mr. Kyle. Si on arrive à ouvrir deux salles et faire une leçon avec peut-être une leçon bonus, on sera pas mal je pense. Toc. C'est parti. Allez, tranquille. Alors, toi c'est bon, on va discuter avec lui.
bien qu'on recrafte aussi quelques préparations de Salomon, parce que mine de rien, on les consomme, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup en rab. En tout cas, pas à la cuisine. Attention, voilà, 7 trucs à ramasser. Voilà. On a la race de souvenirs. Je veux dire qu'on peut travailler sur ça. Alors, faut juste qu'on se gourre pas de ce memory. Savage Hymn, il nous servira pas. Impulse, il nous servira pas. Beginning Memory, d'autres Grail. Bénéfice du doute, celui-là, il nous servira pas. Le Solace, c'est bon. Et le Storm, c'est bon, ok. Donc on a celui-là et celui-là, c'est pour nos amis. En avant. Du coup, il va nous rester tout ça. Sachant que toi, il te faut de la lanterne, et le seul lanterne qu'on a, c'est Faust. Faust à 8 degrés, en avant. Est-ce qu'on a une petite witching tisane ou un truc du style de près, là? Pas dit. On peut fabriquer un cocoa. La Wishing Tisane, on peut la crafter, mais... On a un cocoa, là. Ok, on a du chocolat de près. Donc ça va le faire. et donc, du coup, il nous faut... deux souvenirs, c'est ça, pour monter ça. Hein. Deux. Deux, ça le fait. Alors, ici on a un lanterne, le fameux Revelation. On peut le lire avec un chapt. Et il nous faut un type Moss. Bah, on va faire un Impulse. Hein. Hop. Et on peut le lire avec un Fet. C'est parti. Oui, lui est type Moss, c'est bon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Petit à petit, on fait nos leçons. Alors, la prochaine, ça va être lui, et lui, il va être cher. Il va falloir faire 5 souvenirs, puis 6 souvenirs. Je suis même pas sûr qu'on en ait suffisamment du bon type. Bon, on verra. Alors, Sacralimae, c'est contre les malédictions. Le dernier livre maudit qu'on a, il faut... 7 Hertz. Oh la vache, ça pique. Ça pique, ça. En termes de malédiction, on a quoi? On a celui-là, celui-là qui est caché derrière, non. Celui-là qui fait pas du Hertz, et on a celui-là qui fait pas du Hertz. Ouais. Pas gagné. C'est pas gagné. Alors, toi, tu reviens du coup. On va te donner une petite tasse de chocolat. Hop, on va en préparer d'avance et on va peut-être en recommander du chocolat d'ailleurs. Non, mais il y a déjà un truc dans le feu là, c'est vrai. Où est-ce qu'on a du feu ici? Est-ce que je peux mettre un srist? Je peux mettre un srist. C'est parti. Enfin, il est à peine midi et on a déjà tout cramé en fatigue, quoi. Shobiti qui est en folie dès qu'on parle de chocolat à côté d'elle. Tu essayes de te tenir. Bon, bah ça va, alors. Tout va bien. Là, il y a un autre 11 de Winter, donc il va nous falloir deux préparations de Solomon, du coup. Ok, toi t'as terminé, ici, on a terminé le rab de chocolat, parfait, on va le servir tout de suite.
Et donc toi, il faut qu'on te mette un outil de type Grail. Et je crois qu'on a ça. Voilà, le petit couteau. Et tu seras à 11. Excellent. Hop. Hop. Les tasses, on les met là. Là. On a récupéré les souvenirs qu'il nous fallait. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. Une leçon. Hop, hop. Et hop. On passe level 3. Donc là, on va pouvoir lancer le fameux couteau suisse en bronze. Exactement, vraiment excellent ce couteau. Il fait tellement de trucs, trop bien. Après, on va pouvoir travailler sur le coffin maker. Donc du coup, toi, tu peux te lancer ici. Débloque-nous... Blacknet Staff Room, ok, la salle des gardiens. Donc du coup, toi, on peut te mettre ton souvenir, tu passes à 7. Et après, on va direct te mettre une préparation de Solomon, et on sera bien. Alors du coup, je pense que je vais aller reposer un whist, hein, parce que faut quand même que ça travaille un peu tout ça. Pour pouvoir recrafter du Solomon. Aujourd'hui, ouais, bien sûr. Faut quand même qu'on avance. Qu'on prenne un peu d'avance. Il va nous en falloir un deuxième, rien que pour cette salle-là, si on veut la faire demain. Mine de rien, le soul. Après, en termes de souvenirs Winter, y a, si on jette dans la mer, on a un souvenir de type Winter, mais je crois que c'est que 1. Ouais, c'est que 1, donc c'est un peu juste. C'est un petit peu juste. Hop. Et hop, voilà, 11 ans. Il va être prêt pile au moment où sa femme aura terminé. Là, on a récupéré... Ah, l'œuf! Living Relic. C'est une tortue. Une tortue avec des yeux en émeraude. Et un œil sur la carapace. Peu de celles-ci ont été vues dans le monde sous ce soleil. Très bien. Et du coup, elle est coopérative directe. C'est une beast. 4 de scale. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, on va la remettre là, je pense. Est-ce qu'on peut la mettre là? Ouh, elle est balèze. Ouais, on va pas la mettre parce qu'il y a déjà trop de trucs. Et du coup, ça, c'est un œuf de mouette, hein. Gulls. On commence à avoir quelques bestioles, hein. Alors après, on pourrait interagir avec elle pour voir ce qu'elle fait. On peut pas la nourrir. Elle sera juste tout le temps coopérative. Ça me surprend quand même. Ça me surprendrait. J'ai plus de soul card, donc on verra demain. Bah, on va le garder dans notre inventaire. On verra ce qu'on peut faire avec une tortue. Une mystérieuse tortue. Mystérieuse tortue magique. N'y a-t-il du Winter pour ouvrir les pièces du bas? Non, c'est Moon et Scale. Et là, c'est Moon et Nectar. Ça, il va probablement falloir qu'on... Le 11, là, on sait que c'est un peu short. Il va falloir qu'on recrute du... avec nos sous. J'en pose. Eh oui, ta thune, exactement. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait reçu notre salaire cette année-là. Pas souvenir. Oui, bah, ça dépend peut-être de... Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens soient contents ?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas de livre, mais on a un petit four, un petit arbre en pot. C'est quoi? Un jeu de fléchettes, très bien. Un truc de clé. Ah, un fauteuil qui fait 2 de knock. Ok, très bien. Et un morceau, un pot de café, avec des tasses de café. Ok. Bon. Pas hyper intéressant. Ici, on a une chambre enfumée et un cellier qui a été verrouillé, scellé. Alors, un signe dit « Attention, n'insérez pas de clé sans avoir tout d'abord invoqué les autorisations adéquates. » Alors, la clé est présente, mais je ne devrais pas la tourner sans avoir les pouvoirs de donner une autorisation ou un fac-similé correct. Ok, très bien. Ça fait rêver. Il faut une personne, donc ça sera soit le forgeron, soit le recteur, mais plutôt le forgeron, on est plus fort en forge. Alors toi, t'es passé level 11, excellent, c'est vrai. On va pouvoir ouvrir ici, ici ou au-dessus. On va essayer d'avancer par là plutôt. Et de finir ce truc-là. Alors là, on a reposé Wits, donc on va essayer de faire un petit truc de Solomon. Donc avec ça, et il nous faut une plante qui va bien. C'est ça. On peut faire ça avec l'algue, ça c'est cool. Une manière utile d'utiliser l'algue, pour le coup. Bon bah, on aura gagné une tortue. Faut bien. Et avancer un peu nos leçons. Link of Revelation, je l'ai mise quelque part. Oui, c'est vrai, c'est celle qui est attuned to Faust qui nous sert pas pour le moment. Ça, c'est Grey Lenok. Pas sûr qu'on ait assez, hein. Il faudrait 5 souvenirs de type Grey Lenok. On va tout de suite compter. 1. 2. 3. 4. 5. Donc, on peut faire un niveau. On a un souvenir de plus. Oui, c'est bon. On a assez pour faire les deux niveaux. Par contre, ça va être hyper cher. Si on récupère un penny, on pourrait jeter un penny là et avoir un souvenir gratos. Je crois que le soon, c'est Earth. Et c'est ça, la satisfaction, c'est Grail. Ça nous éviterait d'utiliser un soul. Bon, sauf si on a Anima, c'est pas la peine de se précipiter. J'ai du mal à comprendre. Tu envisages de jeter un quoi? J'envisage de jeter une pièce dans le puits. Une pièce de quoi? Une pièce d'un penny. Tout à fait, Chobiti, une pièce d'un penny. Une pièce de thune? Une pièce de thune. Alors je prends un témoin, un viewer qui me dit à chaque fois « Regarde, tu peux jeter des trucs dans le puits ?» Hein, d'ailleurs, je crois que Chobiti lui a répondu. Voilà, voilà ce que je dois subir quand j'envisage de jeter un penny dans le puits. Après, ça se trouve, quand on arrive tout en bas, on peut les récupérer. Hein. Ce serait marrant, mais j'y crois pas trop. Attention, fin de la nuit, on va pas terminer. Hein. On a terminé la pièce, par contre. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Non, c'était là-haut. Ouah, un gros... Ah oui, mais c'est... Ah, un machin. Un Steamfling.
Ewa DeWolf a appris à son père Valentine comment faire éclore ces petites choses vilaines et argentées. Mais il n'a jamais appris à les aimer. Ok. Et on a deux livres à cataloguer. Ça, c'est cool. Et du coup, on n'a pas besoin de le nourrir pour le moment non plus. Et ça, c'est quoi? Une cage. Alors, Valentine DeWolf mettait son seul ami dans des cages. Dans cette cage. Est-ce qu'il a fermé la... Ah, c'est un lit? Non. Restore, with. Ah, mais on peut... Ah, d'accord, ça va peut-être nous permettre de restaurer les animaux. Ok, pourquoi pas. On a une chaise, quelques tableaux... Ah oui, t'as raison, c'est peut-être pas considère. Oui, t'as raison, c'est... j'utilisais considère. Mais considère, c'est pour générer un souvenir, t'as raison exact, Lonmar. Donc non, oui, si j'essaie de les mettre en parler, là, il y a bien le food, là. On peut leur donner des œufs ou des remains de type substance. On va être en déj de nourriture, hein, avec tous ces animaux. Et donc, du coup, elle... Ouais, c'est pareil. Non, mais t'as raison, Lonmar, autant pour moi. Ça, c'est pour générer le souvenir, du coup. Alors, ça doit faire un souvenir, ça doit être un souvenir de type sight ou toucher, peut-être. Bon, ça doit pas être ouf. Par contre, ça, ça nous permettrait potentiellement de les restaurer avec n'importe quoi qui serait pas de type... ouais, peut-être. Ouais. Le restore, pour l'instant, je m'en servais pour le... Parce que c'est pareil que là... Mais là, on pouvait mettre un souvenir, par exemple. D'ailleurs, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre un animal. Non, on peut pas mettre un animal. Ah non, il faut que ce soit required, fatigué ou maladie. Oui, donc c'est ça. Là, c'est pour les souvenirs. Par contre, dans la cage... On peut pas mettre un souvenir. Mais on peut mettre de la bouffe. Ou un animal. Mais du coup, non, il faut que l'animal soit coopératif. Donc ça veut dire qu'on peut pas le mettre s'il est plus coopératif. Donc... On peut pas être, on peut pas nourrir les animaux avec ça. Du coup, je vois pas trop le délire là. Bah, peut-être les deux. Peut-être qu'ils sont fatigués et coopératifs. Là, ça. Ouais, ça m'étonnerait parce que justement, comme disait Lonmar, quand on les met là, on voit qu'on peut les nourrir. Donc, non, non, là, on va pouvoir passer un temps avec eux, ça va générer un truc. Mais si on. Une fois qu'ils sont plus coopératifs. Après, peut-être que quand ils ont faim, ils sont toujours coopératifs. Il faudra qu'on essaye à l'occasion de les utiliser pour quelque chose. On va ranger les bouquins à classer. Tac. Tac. Et on a notre petite préparation de Solomon pour demain. Parfait. Juste à temps pour la fin de journée, ça fait plaisir. On va attendre... Que ça arrive. Et du coup, il faut 12 de winter en haut. Ah, on pourrait avoir un 12 de winter. Hein. Screaming Summit, le sommet où on peut hurler. Ah non, c'est le vent qui crie. D'accord, très bien. Le vent qui hurle en haut de la tour. C'est parti. On est toujours en automne. Ça doit être l'un des derniers jours, mais on est toujours en automne. Alors, du coup, si on regarde ici, il faut du forge, et du winter. Bon, on pourrait ouvrir deux pièces, mais il faudrait qu'on paye. On va déjà en ouvrir une. Hein, parce qu'il y a Chobiti à côté qui me fait les gros yeux. On va essayer d'avancer au maximum les leçons aujourd'hui. Donc il nous faut 5 souvenirs de type Knock and Grail. C'est parti. On va générer un Satisfaction. Sans consommer... il nous faut garder au moins 2 chapters. Et bah c'est parti. Et de 1...
De 2 avec le metal, on va utiliser le metal. Beginning Melody. Un Shaft. On a bien les deux là, oui. Non. On peut mettre un Salt pour avoir un Knock. Et le lire avec un Triste. Hop, ensuite on continue de descendre pour pas se paumer. Ça, on n'a pas besoin. Là, non. Là, non. Là, non. Là, oui. Hop, ici on peut le lire avec un Whist, on en a besoin, avec un Else. Très bien. On fera les animaux une autre fois, hein, du coup. On va essayer d'éviter de nettoyer le plus possible les leçons avant la fin de saison. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en a 5, là. Maintenant, on peut commencer la suite. Ici, on a un autre knock, pattern. On a encore un bureau de libre là. On peut le lire avec un else, un triste, non, un else, et il nous reste un bureau disponible là-bas, et donc du coup, est-ce qu'on a encore un livre qu'il ferait? Donc ici, non, là, non, là, non, là, non, là, non, et là, oui, le secret threshold, le fameux. Et donc là, on peut lire avec... donc toujours pas un Shrist, on peut lire avec un Chore. C'est parti. Ok. Ah, il nous faut un souvenir de type Winter aussi pour le coco, là. D'autant plus qu'il nous faut 12, hein. 12. Et on a un Cloud tout naze. Hein. Mais qui est de type Moss, donc qui pourrait nous permettre de faire ça éventuellement. Bon, de toute façon, là, on n'a plus moyen avec les phonographes. Ça, c'est RT Sky. Non. RT Sky aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme potentiel phonographe? On a un lanterne ici. Non, ça, c'est un parchemin. C'est pas un phonographe. Ok. Alors, Mr. Kyle, c'est parti. On va tout de suite cramer notre Twist Plus, comme ça, on se gourera pas. Ouais, j'ai oublié le Rigouet, Lonmar, du coup. Alors après, on a peut-être un autre bureau, là. Du coup, ici, non. Ici, non. On n'avait pas débloqué un bureau, quelque part. Les trucs d'exercice, c'est pas un bureau. Les trucs d'exercice, non. C'est pas un bureau, c'est un truc d'exercice. ça, c'était pas un bureau, on a dit... tac, tac, tac. Ok, faut qu'on le fasse. Bon, après, c'est que 60 secondes, hein. On a du temps. Là, il se passe quoi, du coup? What Visitor? Ah oui, on avait terminé la... Ah, on est passé à la nouvelle saison, du coup. D'accord, on est bien passé au Winter. On passe à la saison d'après quand le temps arrive, en fait. D'accord. C'est à ce moment-là que Numad aurait pu être tiré, mais il n'a pas été tiré, donc on est moins dans le rush. Et comme on a terminé la dernière fois le truc des verres, là, on va avoir un nouvel événement. Hop, donc toi, ça c'est bon. On va te filer, du coup, en attendant la préparation de Solomon. Voilà, comme ça tu passes direct à 9. Là, on te filera un verre d'eau si on n'a pas généré le souvenir. Bon, petit lag. Voilà. Something to consider. Something to consider. Tac. Tac.
Tac. Tac. Et tac. Du coup, on va lancer le regret. Avec un else. Et il faut qu'on lance ça. Hop. Donc avec un shaft. Tac, 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 tac. On a deux d'avance, c'est ça. En avant. Et il faut qu'on en refasse d'autres. Est-ce qu'on va avoir suffisamment? On va peut-être mettre un truc tout de suite à dormir. Pour avoir assez. Avec un petit verre d'eau. Hop. Ça fait de la merde. Ah oui, t'as raison, patate ou couteau suisse, c'est vrai qu'il a déjà bu la solution. T'as raison, Lone Marble. Le couteau suisse, ce sera très bien. Donc, on a une satisfaction et un salt. C'est grail, hein? Oui, ok. Je me disais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a en commun, mais non, il n'y a pas en commun. Du coup, il faut qu'on refasse un gossip. Un gossip, on peut lire avec un ereb. On va faire dans l'ordre. Un satisfaction, on a déjà. Un regret, on est en train. Fortsight, c'est bon. On a un beginning melody qu'on peut faire. Avec le Faust. Parfait. Intuition, non. Edge, non. Le salt, on en a déjà un. Le betting machin truc, non. Là, non. Là, non. Là, non, c'est celui-là, c'est ça, le Stolen Secret. Donc là, on lit, là, on lit, là, on lit. On va aller lire là-haut. On peut lire avec un Ereb, parfait. En avant. Donc il nous reste ça et ça. Donc on en a 2. 3, 4, 5. Et on va être... Level 6, il nous en faut un de plus au moins. Donc ici. Scale. On a un pattern. Pattern, on peut faire un pattern. Allons-y pour un pattern. On va le lire ici avec un thrist. C'est parti. Et normalement, on devrait être pas mal. Il nous en manque un, on devrait avoir le temps d'en faire un. Ce sera notre skill le plus avancé du coup. Il nous apporte quoi? Du grail et du knock. Ok, pourquoi pas. Alors. L'affaire du mystique particulier. Les affaires particulièrement mystiques. Non, c'est of the, donc. Alors. Le bureau de la suppression, le fameux, a un intérêt grandissant dans les mouvements religieux non conventionnels. Aucune loi n'a été cassée. Alors là, on va avoir un croisement avec Cultist Simulator, je sens. Rien de sinistre n'a été ramené à la lumière. Tous ces mouvements sont lumineux par nature. Mais il y a quand même quelque chose qui a l'air de se passer. Ok, et donc du coup, voilà le détective Douglas Moore. Détective Illumate, excusez-moi, le détective illuminé du bureau de la suppression. Un mec stoïque... Mais Wary, alors Wary c'est qui subit, qui a l'habitude d'encaisser. Alors son vœu le plus cher est d'aller à Klingford et de faire pousser des roses. Mais les vilains ne le laissent pas partir à la retraite. Ok, très bien. Parfait. On va voir ce qu'il veut de nous. Alors d'abord on va... Avant de papoter avec lui, on va travailler sur notre Coffin Maker. Hein. Donc le Coffin Maker, il n'a pas encore le souvenir. Donc on va lui mettre le petit couteau. On est d'accord, ça passe au 10. Très bonne suggestion de Lonmar, je prends. Du coup, ça va, on va devoir attendre un tout petit peu. On a notre regret qui arrivera un tout petit peu plus tard, mais c'est pas hyper gênant. Là, on passe level 6. Hop. Et on aura, si jamais je me suis foiré qu'il nous faut un souvenir de plus, on aura un fait d'avance pour en générer un. Sinon on s'en servira probablement sur un animal pour
Peut-être sur une poule, parce que les poules, elles peuvent faire des œufs. Et les animaux, vu qu'ils peuvent bouffer que des œufs, ce serait quand même pas mal d'en avoir d'avance. Oui, parce que les seuls œufs qu'on ne peut pas faire éclore dans la cheminée, c'est les œufs de poule. Les hen-eggs. Alors, c'est parti. Hop, ça c'est pas le rigouette. Le rigouette, hop. En avant, on passe bien à 12, parfait. Tac. Tac. Et tac. Alors, est-ce qu'on a assez? Toi, tu viens là. Ensuite, on met Shaft. On met la leçon. Hein. Tac, 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 tac. Et tac. Parfait. Quand je pensais que j'avais compris, en fait, je ne faisais que commencer. On le passe level 7. Ça, ça fait faire plaisir. 7 de Grail, 6 de Knock. Probablement monté d'un. Et du coup, on va essayer de péter une poule. Où est le jardin? Ici. Tuppence. Ah oui, mais il faut d'abord qu'on ait terminé de parler. Là, on est d'accord qu'on peut rien faire pousser. Hein. Est-ce qu'on peut faire pousser des fleurs particulières en... summer et automne, pareil, le chien. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui pousse en hiver, mais si on trouve une fleur qui pousse en hiver, il y a moyen que ce soit un truc un peu... Lent and Rose in Winter, là, tiens, ça doit être un truc un peu sympa, ça. Faudra qu'on essaye. Hop là, on est passé level 7. 8 et 7. Alors on va pouvoir commencer à faire du grail plutôt de qualité, là. Je suis pas sûr qu'on ait déjà travaillé sur du grain jusqu'ici. Alors toi, tu vas là et tu travailles sur cette pièce. Non, silence là. Mets-nous un peu de musique. Ah, et on a notre Metal +++ qui est arrivé. Parfait ça. Où est-ce qu'on pourrait faire ça éventuellement? Non. Ah, on a le Moss, mais non, il nous faudrait deux souvenirs. Combien de souvenirs il nous faut? Ah non, trois. Dommage, on a celui-là, on pourra en générer un de plus, mais il va nous en manquer un. Donc tant pis, pas utile. On va péter une poule du coup. C'est parti. Petite poule. Viens voir, petite poule. Il semble qu'il se l'est éteinte là. C'est mieux, un peu de musique. Même si ça reste léger. Bon, lui, on a le temps, hein. Il reste 2 jours, je crois, puis au pire, on peut le mettre à dormir. Et ouais, je pense qu'une fois qu'on aura fait la poule, on regardera. On peut pas générer un peu de sous avec notre fête, d'ailleurs. Non. C'est juste de la bonne aventure, donc c'est de la daube. On va péter notre tortue. Hein. Voir ce qu'elle veut, ce qu'elle nous donne. Si elle nous fait un autre œuf de Living Relic, ça serait rigolo. Ouais, elle sera peut-être pas fécondée, mais... Alors, elle est pas contente. Cluck, cluck. Elle nous donne un œuf. Alors ce qui est un peu con, hein, c'est que techniquement, du coup, elle est pas contente. Si on veut la rendre contente, il faut lui filer un œuf. Donc c'est pas hyper rentable en vrai. Mais bon, on va regarder ce qu'on génère avec ça. Si c'est un souvenir intéressant. Jusqu'ici, toutes les bestioles nous ont généré des soleils, ce qui est pas ouf. Hein. Clairement pas ouf.
termes de remain, non, c'est pas ça, il faudrait... L'œuf, il est pas de type remain, non. On va pas lui donner les œufs. On va manger un petit œuf pour elle. Si, si, on peut donner les œufs, mais ça... Ah, les œufs, mais non, les œufs, ils ont pas de... ils sont toujours pas de type subsistance. Hein. C'est pas trop facile. Ils peuvent bouffer que ce qui est de type remain et... et œuf. Bien. C'est ce que je voulais faire. Alors. Quarrelsome, until it fit again. Un old moment. Oh, un souvenir de type scale level 4. Qui permet de faire un evolve via preservation. Ça, c'est intéressant, ça. Ok, très bien. Et du coup, on pourrait potentiellement faire ça avec ce souvenir. Bon, après, scale de niveau 4, on peut peut-être faire mieux. Est-ce que je peux le mettre à dormir? Oui, je peux le mettre à dormir. Parfait. Non, c'est pas encore la nuit. On va le garder pour demain, on verra ce qu'on peut en faire. Notamment peut-être avec le Evolve via Preservation. Là. Mais ok, là, on a un vrai souvenir intéressant avec elle. Hungry Relic, maintenant, elle s'appelle. Très très bien. Du coup, discutons... avec le monsieur. Alors, il y a beaucoup de nouvelles églises et de petites sectes amusantes pour en ce moment. On s'y intéresse pas quand ils prêchent la vertu, mais on commence à s'y intéresser de près quand ils promettent une vérité cachée. Et quand tout le monde commence à parler à propos de l'immortalité, ouais, bah, on peut pas laisser ça comme ça. Ok. Donc, il est intéressé par de la lanterne. Il y a les lois, et les lois, et les lois. L'une des lois est qu'il ne peut pas y avoir... il ne peut y avoir qu'un seul long dans le monde. Alors, c'est peut-être une heure longue avec une majuscule comme ça. Alors... c'est bien au-delà de mon... merde, comment on dit ranks, pas sa classe, son grade d'enforcer cette loi beaucoup beaucoup plus haut, mais on m'a demandé de regarder à ce propos. Alors, il va nous falloir du lanterne. Une lanterne, on en a pas mal ici. Là. Mystery lanterne qui parlerait de la loi. Et les rêves des artisans. Ça, ça parle de... d'une encre avancée. Alors du coup, si je mets autre chose... ok. Donc a priori, c'est pas ça. Ah non, ça c'est du sky, ça. Pardon, excuse-moi mec. Alors, le Halo, ça c'est... ok, des trucs... le Gospel de Nicodémus. Ça n'intéresse pas. Watchful 30 Rai, c'est le lire. Non. Non, bien là. Ici, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre de type Mystery Lanterne? Ça, c'est Mastery. C'est celui-là qu'il faut pointer. On va dézoomer un peu. Il y en a un dans notre bibliothèque déjà lu. Celui-là. Qui est level 4, si ça suffirait. Bancroft Diary. Qui est devenu une société secrète. Ça pourrait peut-être l'intéresser. Ah non, il peut pas lire le latin. Putain, le con. Merde, j'ai pas regardé où il était. Il était là ? Il était là. Il peut pas lire le latin. Quoi tu sers, franchement? On a celui-là. Alors qu'il est dans une langue à la con. Ça m'étonnerait qu'il puisse le lire. Non. Le fucine. Tu sais pas lire le fucine. Ici, on a quoi? On a un... celui-là qu'on n'a pas lu.
Il parle des hymnes de Sainte Lucia, celle qui n'avait pas d'œil. Il sait pas lire le Sabazine, pas forcément. Et le dernier livre qu'on a là, il est pas de type intéressant. On n'a pas l'air d'avoir vraiment ce qu'il lui faut. Une seule langue in the world. Ouais. Tenter celui-là, mais bon, c'est pas ouf, on fera pas mieux, je pense. Tant pis. Il a ouvert la pièce en haut. Il a ouvert la pièce. Alors, il y a des gueules. Ah, il y a. En mémoire de Valentine de Wolfe, le sixième baron de Bancroft. Très bien. Ici, on peut regarder un peu, se souvenir du temps qui passe. Il y a un gros œuf là. Ah non, c'est de l'or, bon, pardon. Un gros joyau. Un gros œuf de pamouette. Ici, il y a un petit truc. Là, il y a du vin. Très bien. Un bout de granit, bon, et le toit un petit peu cassé du haut de la tour où on peut éventuellement venir rêver à autre chose. Bon, bah au moins on a terminé cette tour qui est globalement dédiée à Valentine de Wolfe. Hein. Il y avait son bureau, le Valentine's Room, l'endroit où il mettait ses animaux. Donc il nous reste maintenant la prison à travailler. On a de nouveau à 11 ici, sur lequel on va pouvoir utiliser nos trucs. Notre préparation de Solomon, qui est notre dernière, je crois. La dernière qu'on a d'avance. Yes. On n'a pas mis quelqu'un à travailler, non, c'est déjà... On n'avait que le truc pour des pénis, là. Alors demain, est-ce qu'on bookine à 3 livres à lire, mine de rien, de 3 types différents, dont un Hurt. Alors, ouais, faut que je mette le souvenir de Doché, t'as raison. Ouais, comme dit Onmar, exactement au même moment que Chobiti. Ok, très bien, ça a l'air de ressembler un peu plus Long Heure, donc j'imagine que c'est un jeu de mots assez difficile à traduire, étant donné que je ne sais pas ce que c'est que le long de nouveau. Plus de long signifie plus de probabilité onirique, plus d'esprit dévorant qui se balade autour, et tôt ou tard, plus de crimes sous le soleil. Ok, très bien, il nous a filé un bronze, c'est pas ouf. C'est pas ouf un bronze, mais bon, déjà ça. Le souvenir, avant qu'il ne disparaisse, ce serait dommage. Et je sens que ça va être, ça va encore être un truc compliqué, cette histoire. D'ailleurs, il faudrait qu'on catalogue les deux bouquins qu'on a trouvés. J'aurais pu le mettre à dormir, et puis... essayer de cataloguer les deux, mais bon, quand même, la probabilité qu'il y en avait un intéressant dans le thème paraît quand même assez rare. Pas totalement impossible, mais rare. Improbable, disons. Bon, on a dépilé nos leçons. Du coup, est-ce qu'on ouvre des pièces ou est-ce qu'on bookine ? Bah on va surtout arrêter l'épisode, du coup, puisqu'il est suffisamment long. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment, je bois un petit coup.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé, à donner des conseils si vous en avez. Je prends un pas de backseat. Enfin, je... c'est pas grave le backseat sur ce jeu parce qu'il y a tellement de choses que je n'en prends pas ombrage. Merci encore d'avoir regardé et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.